Bienvenue pour ce deuxième épisode de TrueX sur The Park. Donc je reprends là où je m'en étais arrêté à la dernière vidéo. Évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder avant. Sinon, ça n'a aucun sens, déjà que ça n'a pas beaucoup. Donc j'étais sorti de cette attraction-là, où elle avait raconté un petit peu sa vie qui n'est pas exceptionnelle, hein, parce que son mari est mort, son gosse est stupide, ça n'a pas bougé. Et donc on va continuer à avancer, pour voir un petit peu où est-ce qu'il s'est planqué, voilà. Alors. Ah bah il répond même plus là, parce que à l'épisode de... Ah, il y a un bébé. À l'épisode d'avant, il répondait. Et elle a terminé, quoi. Ah mais... Ah non. Ah. Je sais pas ce que c'était. Bah elle a plus peur que moi, apparemment. Bon, bref. Du coup, vu que j'ai ramassé ça, on va avancer. Allez, pour rigoler, on va encore appeler notre fils. Oui, au cas où tu n'aurais pas compris. Depuis une heure que tu te balades dans le parc. On peut courir, là? Ok. Donc, ce truc... My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandoned him. Putain, alors soit elle est en train de péter un plomb parce qu'elle a peur, etc. et elle est dégoûtée que son gosse lui ait désobéi, soit elle est en train d'avouer littéralement que elle en avait marre de sa mère, sa vie de mère, et elle a pété un plomb, elle l'a juste abandonné là, quoi. Ah, ça devient beaucoup plus intéressant d'un coup. Parce qu'elle était vraiment plate, enfin, ce personnage n'était pas du tout intéressant. Et là, de savoir que c'est peut-être une connasse, ça ravive l'intérêt que j'aurais pu avoir pour le jeu. Donc on va voir un petit peu où est-ce que ça mène. Mais en tout cas, c'est une piste intéressante. J'espère que ce sera développé. Après, peut-être que je me trompe, c'est juste qu'elle pète un plomb et en même temps, on la comprend, hein. Parce que son gosse, il est... Ok. Oui, mais c'est ça, elle en a plus rien à foutre. Là sa priorité, c'est de s'amuser. Genre, la journée au parc Astérix, elle veut tout tester. Et là, elle s'inquiète. Bon, on va pas chercher de sens. On va juste faire l'attraction. What do you want? Ah! We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? Toujours des trucs qui te surprennent, c'est pas recherché comme horreur, je trouve. This doesn't want the antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Allez, c'est parti! Accrochez-vous à vos slips! Oula, qu'est-ce que c'est? C'est un hôpital? Ouais, on dirait qu'elle est en train de se faire pousser à travers... Vous savez, un lit, là. Un brancard, là. Ah, j'ai pas eu le temps de lire.
Ah. Oh putain! On l'a dégobé! Et 73 mètres pour la maman de Calum, nouveau record olympique. J'ai failli faire la voix de Nelson Monfort, mais je me suis dit, je vais pas prendre le risque comme ça, là, en plein enregistrement. Je m'entraînerai, je vous la ferai une prochaine fois. Eh, mais ça devient pas mal, hein. C'est beaucoup mieux que... Enfin, pour l'instant, ça fait que 5 minutes, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait la dernière fois, hein. Là, au moins, il commence à développer un petit peu le sens de l'horreur, quoi, de autre que les jumpscares, parce qu'apparemment on dit comme ça. J'ai dit scare jump toute la vidéo, mais apparemment c'est jumpscare. Et voilà quoi, arrêter de faire juste des sursauts, des machins comme ça, et vraiment commencer à instiller la terreur dans le cœur des gens. Bon, on va sortir de l'attraction et on reprend tout de suite. Alors. Calum ? Calum ! Calum. Calum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. Mais comment tu peux savoir ça? I've asked him, demanded really, to know where he got the marks, but he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. Non, juste la stupidité. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him. He snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can't save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. He will understand why. De quoi tu parles, meuf? De quoi tu parles? En fait, c'est toi qui l'as laissé là. Ou alors elle a fait pire, enfin, on va voir, mais elle m'inspire vraiment de moins en moins confiance. La grande roue. J'ai ramassé une lampe. Je sais. Ah non, c'était pas dans ce sens-là! Oh, vous auriez pu le dire. Non, mais. Ah, mais zut, c'est où en fait? Je me suis paumé. Ruby! On va continuer à avancer, hein. Ah, j'ai les boules. Et encore. Et autant, je suis toujours pas dans la bonne direction. Si, non, c'est là. Ouais, j'ai voulu le prendre tout à l'heure, et puis voilà. Est-ce que j'ai... Non, parce que j'avais une lampe torche. Faudrait peut-être que ça serve à quelque chose. Calum. I can help you, Calum. Ouais, je sais pas. À la place du gosse, je lui ferais pas trop confiance. Calum, where are you? Ah, continue. Ça y est, c'est la sortie, on se casse. Bon, mais je vais pas retrouver. Je chercherai demain. This isn't a game, Calum. Ah, alors ça, c'est un genre de foire avec des machins. Read newspaper. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. C'est-à-dire que c'est pas la première fois. En fait, il y a plein de gens qui meurent et ils ont trouvé ça une bonne idée. Il y a la souris depuis tout à l'heure qui gêne. Ils ont trouvé ça une bonne idée de continuer à y aller en fait. Je sais pas, normalement le truc au bout d'un moment il se fait fermer. Calum, where are you? Alors. Qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Oh, une barbe à papa. I can help you, Calum. Un stand de barbe à papa. Non, il n'y a rien. On continue, hein. Ouais, mais est-ce que je peux passer au moins par là? Pff. I'm not playing anymore, Calum. Donc je suis coincé, c'est ça? C'est-à-dire que c'est pas dans ce sens. Et dire qu'elle peut pas aller plus vite que ça, quoi. Ah, mais je suis enfermé? Non.
doit y avoir un truc que je dois trouver que j'ai pas vu. Callum? Callum! Merde! Si je suis enfermé, ça veut dire qu'il y a un truc quelque part ici. Je vais avoir peur. C'est quoi ce truc? Callum, where are you? Non, c'est juste du noir, bon. Ok. Peut-être faut rentrer dans une... dans un des stands. On peut rentrer là? Non, on peut pas. Non plus. Eh ben... I can help you, Callum. I'm not playing anymore, Callum. This isn't a game, Callum. Mais où est-ce qu'il faut aller? Ah! Et eh ben voilà. Examinez le cadavre. Allez, saute-moi à la gueule, vas-y. Non? Si? Je vais avancer. Non. Non. Tu peux pas aller par là. Ok. Et là, je me retourne. Ouais. C'était tellement prévisible. Mais tellement prévisible. Non, mais ils ont encore beaucoup de boulot hein, dans le... pour se perfectionner un petit peu dans le domaine de l'horreur. Parce que tu peux jouer un petit peu comme ça avec les codes... avec les codes des films d'horreur, des jeux comme je disais la dernière fois, Outlast, qui essaient de te surprendre, mais au bout d'un moment, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Et puis, comme il disait tout à l'heure, là, comme elle est en train de péter un plomb, qu'elle est en train de devenir folle, ça c'est pas mal. Fallait jouer de ce côté-là, mais les trucs un peu cheap qui te surprennent parce que tu te retournes et tu t'y attends pas, bon, bah, au final, bah, tu t'y attends finalement. Et ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Bon, je vais devoir courir combien de temps comme ça, là? Il doit y avoir un autre truc à voir, je suppose. Come back. Tu peux... This isn't a game, Callum. Non, non, tu peux pas. Alors, il doit y avoir un autre truc... à côté duquel je suis passé. Oh là là, allez! Ah, ça y était pas tout à l'heure, ça, si. Bonne idée, ouais. Prends toute la boîte. Flax Pharmacie, non, il n'y avait rien marqué d'important, hein, si vous vous demandiez. Je crois que... Ah. No to graffiti. Ok, alors là, ça y est, elle a vraiment pété un plomb. Not safe, c'est ce qu'il y avait marqué tout à l'heure quand on était dans le lit d'hôpital, là, qu'on avançait à toute berzingue. Donc ça veut dire qu'on est ici. Ça y est, on s'est fait enfermer dans l'asile. Non, on n'est pas dans l'asile, en fait, on est... C'est quoi ce truc? Un lit d'hôpital, ouais, c'est bien ce que je pensais. Plein de Monsieur Bear. Qui est la raison pour laquelle on est là, hein, je le rappelle. Don't touch me, you. Callum, I'm sorry. Oh là là. Comme d'hab, hein, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez tout lire. Moi, je lis un petit peu entre les lignes. D'accord. C'est un micro-ondes, c'est une télé. Ah, c'est un moniteur, je pense. C'est un encéphalogramme, ça. Ou un truc pour le rythme cardiaque. Est-ce qu'on peut aller par là? Oui. Elle s'est scarifiée. Non, ça apparaît tout seul, en fait.
Quel étrange voyage. Succès déverrouillé. Ok, on est sorti. On va pouvoir continuer. Y a rien derrière. Hein. Ça veut dire que. Bon, j'imagine que s'il nous a mis. Le parc est un collage de contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Oui, j'avais jamais vu comme ça, mais oui. Scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears, while a grinning carny pockets your hard-earned $5. What secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Inside what? Le... Oh God. The park. Ah, c'est un peu... What happened here? C'est mal codé parce qu'elle a dit exactement ça la dernière fois. Bon, je suppose qu'il veut dire la tête de méchant qu'il y avait à gauche, donc on va y aller maintenant. Alors. Voilà ce truc là. C'est vachement bien écrit, son petit monologue là, il était super bien foutu, si vous avez compris. Il est... ouais. C'est là qu'on voit un petit peu le talent des mecs de Funcom qui ont écrit des quêtes aussi super intéressantes sur The Secret World, mais bon, qui sont un petit peu... Bon, j'ai fait que la zone de Cthulhu et les zones de départ, mais en tout cas, tu sentais vraiment qu'il y avait de l'inspiration, quoi. Alors, bon, bah ça continue, hein, du coup. C'était bien là-dedans qu'il fallait aller. Donc, inside, ouais, ça voulait dire ça, à l'intérieur de la gueule de la sorcière. Alors, la flashlight... Maison de l'horreur. Oui, encore du lore. Mais c'est illisible. Ça par contre, c'est pas possible, ça. Ça, je sais pas comment ça a passé la qualité assurance, parce que normalement, tu vois très bien que c'est illisible. C'est pas une question de résolution, c'est pas une question de contraste, c'est l'image en elle-même qui est mal foutue. Je comprends pas. 60 FPS. Oh, ouais. Rien ici. Genre de Minotaur, ok. Elle commence à avoir des sales alus, hein. Les trucs qui apparaissent, qui disparaissent. Loup-garou, ça, ouais, ok. Oh, les putains, ça peut être horrible. Moi, je trouve que ça fait pas peur, les trucs mignons comme ça, les petites mascottes qui sont un petit peu perverties pour les rendre plus terrifiantes. Ça marche avec les clowns parce que ils ont un regard vide, etc. Ça peut, oui, je comprends que ça puisse faire peur, mais les mascottes comme ça, non, je vois, ça m'a pas du tout fait peur. Pour le moment, je dois avouer que je passe un petit peu à côté du jeu. Je peux pas courir, hein. Je précise, j'aurais bien aimé, mais... C'est un miroir. Et si je m'approche, il va y avoir un truc, non? Non. Ça aurait pu, hein. Il y a un truc qui s'est allumé, c'est genre un ong. J'ai cru qu'il y avoir un film comme avec Hansel et Gretel la fois d'avant. Ok, on avance. Poporo. Ça par contre, en vrai à mon avis, là t'es pas très jouasse, hein. Parce que noir plus ambiance un petit peu comme ça, mais bon... C'est... Quand il est pas, quand t'es derrière ton écran de PC, c'est sûr, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur de ressentir les mêmes, émotions, quoi. Mais il me semble bien qu'il fallait aller là-bas, hein, non? Non, tu peux pas, en fait. Ok.
Oh putain. Connard. Y'a rien derrière. Non. Là ils m'ont eu, Mais moi j'aurais dit que c'était ici, il doit y avoir peut-être un papier à lire ou quoi. Je suis passé à côté. Une radio activée. Taper une petite sieste, hein, ce sera dans l'ambiance, parce que de toute façon on fait tout sauf chercher qu'allume. Non, hein. Non, y'a rien. Leave me alone. De quoi, leave me alone? Ah! Y'a un truc là qui va nous... What have you done with him? Leave me alone. Mais c'est où? Ça y est, en train de péter un plomb là. Non, ça c'est un spot. Non, mais je me casse hein, s'il y a rien. Mais ça, j'y étais tout à l'heure. Ou alors c'est là? Mommy, don't hide. Ah! Please, make me see. Turn around, mommy. Show yourself. Why did you steal me? Je sais pas où je dois aller. Hein. Tu peux. Par où je suis venu? Ah non, là, c'est d'où je viens. Bon, il est là-bas. Ça, c'est sûr. Allez, mais cours. C'est tellement agréable pour elle qu'elle préfère rester. Non, je vais me promener. En mode balade. Bon, en tout cas, ça a piqué ma curiosité. J'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Elle pète un plomb là. Qu'est-ce que. Mais je comprends pas où je dois aller. Give it to me. Faut continuer par là. Ah, je crois que je suis pas allé, oui. Jusque là, si. Show yourself. Ouais, je crois pas être allé par là. Ouais, c'est bon, c'est par là. Putain, j'ai un problème avec le sens de l'orientation, j'ai pas le GPS intégré quoi. Qu'allume, c'est toi? Ok. Bon, on va le suivre, hein, ça paraît être la meilleure idée. Pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu avances. Celle-là, tu peux. Tu peux pas. Donc, celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Nightmare Circus. Là, je peux le retourner. Un cirque brûle. Tue des dizaines de personnes. Le propriétaire se fait lyncher et tuer. Maintenant, Raven. Vient dans les ruines, au crépuscule, cherche sa mère. Et que le show commence. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. C'est Monsieur Bear. Home, bit a sweet home. I barely recognized it. C'est bon, on l'a retrouvé, on peut s'en aller.
More shadows and regrets. Where there had been warmth, hunger. There was a bone deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Ah, hop, je vous mets comme ça pour que vous puissiez mettre en pause. While I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now. Lost and afraid. Things never got any better. Je t'aime par Callum. Encore un bouquin. The Wilting. Hop. D'accord. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin, je crois pas. Oh, les glauques leur maison, quoi. Ok, bon, on va pénétrer dans la salle en face de nous. Alors. On peut pas... Est-ce qu'il y a du sang dessus? Non, parce que bon, il y a marqué « fix faucet », c'est-à-dire « réparer l'évier ». Donc je suppose que ce n'était pas fait pour le mettre dans le crâne de ton fils. Non, je crois pas. Une lumière rouge. D'accord. D'accord. Ah, alors, j'arrive pas très bien à lire. En gros, il y a marqué que Lorraine, elle souffre de dépression, qui a commencé lors de sa grossesse. Donc oui, c'est du fait que son compagnon est mort. Comme elle nous l'a avoué quand elle était sur le Grand 8. Ah d'accord, ils lui ont fait une thérapie avec les électroconvulsions. Je crois que c'était genre au 19e siècle qu'on faisait ça. Ok, elle s'en est remis rapidement. Et elle est sortie de... Donc, ben, je sais pas si c'est un asile ou quoi, mais en tout cas, elle est sortie. C'est pas lisible, j'en sais rien, voilà. Merde. Bon, en tout cas, ça commence à puer de plus en plus, quoi. Parce que si elle est dépressive, si elle prend des cachets, etc., à mon avis, il reste pas grand-chose de Callum. Ah, ça va me faire peur. J'aime pas du tout les trucs qui grognent comme ça. Si je me retourne, y a un truc? Non. Encore? Mais... Je viens de le faire, non? Des cachets, partout des cachets. Il y a un truc qui... Callum, putain, sors du jeu! Là, on passe à 60 FPS constant, je suis content. Putain, il m'a fait peur, ce petit con, là. Sorti. Il y a un truc là, il va nous sauter à la gueule. Oui. Shopping list, ça va pas bouger. More pills. Si, ça a changé. Je sais pas ce que c'est le Zolift. Je sais pas du tout. C'est peut-être un cachet. En tout cas, elle est en train de vraiment péter un plomb, là. Non.
A History of Solomon Island. Solomon Island, en fait, c'est la zone, pas de départ, mais la première zone, en fait, où tout le monde se retrouve dans The Secret World. Donc, qui est inspiré du mythe de Cthulhu, c'est en Nouvelle-Angleterre. Et ça fait un petit peu peur, voilà, il y a un monstre qui rôde, il y a des gens qui l'ont aperçu, on sait pas trop qui c'est. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une genre de sèche géante. Ah, comment... c'est Calum qui a fait ça ou c'est nous? C'est nous, c'est nous, mon précieux. Là, ça va être, à mon avis, c'est le dernier run dans la maison, parce que là, elle a pété le boulard, hein. C'est terminé, là. Nightmare Circus, ça bouge pas. Il commence à y avoir des trucs horribles de partout, il y a des gens pendus, des bébés morts. C'est quoi par terre? La casquette avec du sang. Ah non, c'est de pire en pire à chaque fois qu'on... Tête de bébé... Des bébés pendus. Des bébés dans le four. I love. Non. Oui, je pouvais aller par là, je pouvais pas y aller tard. Est-ce qu'on voit? Ok, je crois qu'il allait machin. On peut avancer par là? Non. J'ai pas envie de me retourner et tomber sur un truc qui fait peur. Il y a un truc à la télé, non? Non. We continue to be batshit fucking insane. En gros, c'est une genre d'ordonnance, mais ouais, c'est elle qui l'écrit avec sa tête. Elle est en train de réaliser qu'elle est en train de devenir folle, du coup elle se prescrit virtuellement plein de médicaments pour essayer de se soigner. In case... Ouais, ok, en fait elle a fait une rechute de sa dépression et tout le monde s'en fout, personne ne peut t'aider, elle a juste son... Ouais. Elle a juste son gosse et en gros voilà quoi. Donc du coup, comme elle est abandonnée un petit peu à son sort, elle a pété son blanc. Thank you William, the new watch has made me a happy carrot. Encore? Bon, allez, on va voir. Je fais des petits cuts subtils, hein, je sais pas si vous avez remarqué. C'est pour être sûr que... Ah! Donc c'est ouais, c'est son mec, je pense. Oula! Ah oui, là c'est plus des trucs de bébé, là. Watch me rot. Tu me regarderas pourrir. La musique s'est arrêtée, ça veut dire que c'est fini là? Ah. Ça pue la même gueule. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story,
mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Ouais, ça confirme un petit peu ce que je commençais à penser, c'est que péter les plombs et je sais pas ce qu'elle a fait avec notre pauvre petit Calum. Enfin, pauvre petit. Il a bien cherché le seul. Kids broken today, it has been so long. Elle en a pris un, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai mis dans un slob. Oula. Elle a pété. Qu'est-ce que c'est? Je peux m'accroupir ou pas? Non. Show yourself. Ça fait très Bioshock là le. Eyes without sparkle. Ça veut dire quoi? Rien. Je peux toujours pas courir. Hein. Hansel et Gretel. Et là j'en viens hein, donc moi j'aimerais bien savoir où il est là. Un petit indice, ça sauvegarde. Ouais non, ça sauvegarde parce que ok, non. Parce que tu marches là. Bon, j'ai dû louper quelque chose dans la salle. Where is my boy? Ce qui est bizarre, c'est que Calum ne te répond plus du tout. Avant, il te narguait, etc. Il te disait je suis là, machin, mais. Ça, j'ai déjà fait. Je vais longer les murs histoire de voir si j'ai pas oublié un truc. Non, pas ici en tout cas. Ça, je l'ai vu. What have you done with him? Ah, j'avais pas vu ici, ouais. Je me demande si c'est fait exprès. Ouh, Lorraine. Oula. C'est lui? Oui. Calme.
Tout ça pour un ours en peluche. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Elle est chez le psy. C'était le gardien de l'entrée de tout à l'heure. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Bon, eh ben c'était la deuxième partie était beaucoup mieux que la première, j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé ouais, le premier let's play était pas du tout inspiré. La petite balade, bon, c'était sympathique sur le signe là, mais du reste, ils avaient pas réussi à instiller une ambiance vraiment propice à se faire caca dessus, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée au début. Mais là, la deuxième partie dans la maison où tu vois qu'elle pète son câble, qu'elle devient folle, et puis c'est elle qui a tué son fils, mais tu sais pas vraiment dans quelles circonstances. Parce... Non, mais c'est pas clair en fait, parce que tu sais pas si elle l'a perdu ou pas, ou si elle l'a rêvé. Bon, bref, je sais pas du tout. Je vais faire un petit peu de recherche sur internet pour voir un petit peu l'interprétation des gens. Parce que bon, ça a bien pris place quelque part ce truc, ou alors je suis passé à côté d'un papier qui aurait été important pour la compréhension de l'histoire. Mais voilà, du reste, c'était vraiment sympathique. Donc bon, forcément, si vous avez vu le let's play, vous allez pas l'acheter. Mais je pense qu'il vaut peut-être pas 10€, mais à moitié prix, aux prochaines soldes Halloween ou aux soldes de Noël, ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est une expérience à faire, et puis c'est aussi une marque de soutien envers Funcom, voilà, qui est un petit peu en déche de thunes en ce moment, et qui ont bien besoin de se faire un petit peu renflouer. Donc bon, voilà, c'est pas un jeu de merde, un petit peu trop court, mais ça reste une expérience sympathique. Je suis pas déçu de mon achat. J'ai quelques griffes par rapport à la première partie, mais du reste, franchement, sympathique. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quelle est votre interprétation de la fin pour savoir si on a compris la même chose? Pour moi, je sais pas ce que j'ai compris parce qu'elle est folle, donc tu sais pas si tu peux faire confiance à sa version de l'histoire. Vous voyez? Et donc du coup voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du let's play, ce que vous aimeriez voir sur Troix Channel. Donc voilà qui clôture ce Troix sur The Park, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je vais pas vous gâcher la surprise, hein, mais ça arrive. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, voilà, si ça vous a plu, une petite marque de soutien, ça fait plaisir, ça coûte pas cher. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur Troix Channel. Ce Troix sur The Park est désormais achevé. Si vous souhaitez ne rien louper du futur contenu sur Troix Channel, abonnez-vous. 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 Allez quoi, soyez sympas.